SnapVid AI, pour moi, le meilleur outil pour créer des shorts avec l'IA rapidement, facilement, meilleur que SnapVid. Et on voit ça juste après l'introduction. Ok, donc là, l'heure est grave. Aujourd'hui, je vous présente SnapVid. C'est l'outil de deux amis à moi qui ont développé ça. Donc, ils ont développé cet outil-là qui permet de rédiger des shorts. Donc, on va démystifier. Aujourd'hui, tu ne connais pas SnapVid. À la fin de cette vidéo, tu vas utiliser SnapVid, créer des shorts pour ton business, pour le business de tes clients, rapidement, très rapidement, avec de l'IA. Et tu vas voir pourquoi c'est meilleur que SnapVid. La réalité, c'est que j'ai déjà testé Submagic, j'ai déjà testé plein d'autres tools de rédaction de vidéos longue pour short, et je te dis que celui-ci c'est le meilleur. En plus, ils sont en train de développer une API et elle est même pratiquement développée, enfin terminée pardon, et cette API là va pouvoir te permettre d'automatiser la création de tes shorts. Tu as une agence, tu as des clients où tu leur fais des shorts, tu leur factures par exemple X € pour faire des shorts pour TikTok, pour Instagram, et là dis-toi juste un truc, c'est que ça va pouvoir être automatisé. Donc on va tester ça tout de suite. Donc déjà on va faire une petite analyse de la page de vente, créer des shorts captivants rapidement avec l'IA. Donc je vais vraiment faire vite, hein. Crée ta vidéo gratuitement, disponible en français, à l'heure actuelle anglais-français. Donc ça c'est ok. Là on a un exemple, donc là ils ont tous leurs réseaux sociaux. On a un exemple d'une vidéo, regarde ça, c'est vraiment un exemple très clair. Il te montre une vidéo, donc par exemple tu fais un podcast avec, tu as un podcast ou tu as une vidéo de facecam ou pas forcément, même encore une fois, même juste avec un audio tu peux faire ça. Et voilà, ça te transforme directement avec les sous-titres de manière très qualitative. Des émojis animés, ça on regarde bien, hein. Des émojis animés avec des variations, etc. Mais ça, ce n'est juste un template qui n'a pas d'âme, là, actuellement. Tu vas voir que tu vas pouvoir créer tes templates, toi, pour tes clients. Si demain, tu as une youtubeuse avec qui tu gères son compte, enfin ses shorts, elle veut un thème rose avec de la lueur, etc. Tu peux tout gérer. Allez, on va regarder ça. Donc, comment ça marche ? Là, tu as une vidéo explicative. Je t'inviterai à aller la regarder. Donc là, encore une fois, par connaissance de cause, ici, tu vois que c'est la famille. Donc c'est pas un projet familial en quelque sorte, mais c'est la famille SnapVid. Je te garantis que après ça, tu vas changer ta vision si tu utilises Submagic. Je t'invite à réfléchir à pourquoi pas peut-être faire une petite transition sur SnapVid si ça peut t'intéresser, mais ça va t'intéresser. Moi, je te le dis, c'est moi qui décide. Non, bien entendu, c'est une blague. Mais voilà, nos fonctionnalités IA, donc de meilleures vidéos plus rapidement, sous-titres personnalisables et emojis animés, Smart Footage AI B-Roll, donc on va voir tout ça, multiple export and style sauvegardé, Smart Cut très impressionnant. Ensuite, on a de meilleurs résultats. Donc là, voilà, c'est du marketing, c'est logique. x5% de vues et encore plus que ça, parce que moi, j'avais fait des chaînes à l'époque, je me rappelle, et on tapait des vidéos à 4000 alors que c'était abusé. C'était tellement simple de faire des vues avec ces techniques-là. Même sur TikTok, t'imagines bien que si tu fais une bonne vidéo, tu la transformes, bam, en bon short, bien hook, ça hook bien les gens. Donc là, on a des avis et voilà. Rapidement, on va aller directement, ils ont un programme d'affiliation. Si tu as envie de partager ton lien d'affiliation et gagner jusqu'à 3000 $ par mois, pour te dire que c'est vraiment du lourd, tu peux gagner grâce à ce programme d'affiliation. Rejoindre ce programme-là, tu as même un calculateur ici où tu peux faire ton calcul. Imagine si tu as ne serait-ce que 10 affiliés. 10 affiliés, c'est pas mal, tu as quand même 147 $ par mois, tu gagnes 147 $ par mois. Donc c'est un business, l'affiliation. Encore une fois, ce n'est pas pour tout le monde. Ici, tu peux rejoindre le Discord en communauté. Tu peux télécharger l'app parce que bon, ils sont vraiment très chauds. Ils ont créé une application, donc là bientôt disponible sur macOS. Donc là, elle est bientôt, donc ça va arriver très prochainement. Et surtout, donc attends, ne lis pas ça, ne lis pas cette phrase-là. Cette phrase-là, une vidéo gratuite chaque jour. Ils ont un petit blog, bon, il est en train d'être commencé à être développé. Sur la partie pricing, maintenant on va pas parler chinois, on va regarder directement le pricing. Là, il n'y a personne d'autre qui le fait et c'est pour ça que je t'invite vraiment à jeter un coup d'œil. Une vidéo gratuite, une free video per month, donc une vidéo gratuite par mois que tu peux faire. Et là, en fait, tu as un système de crédit où chaque jour tu vas avoir une vidéo gratuite avec watermark, où tu pourras générer une vidéo gratuitement. Donc ça, c'est assez impressionnant. En termes de pricing, on a une offre qui est super intéressante à 19 $ par mois, donc qui est 20 vidéos, donc pas de watermark. Le watermark, tu sais, c'est le logo de la marque qu'il y a sur la vidéo en exportation. Donc là, pour même pas 20 €, la vérité, c'est même pas un plat de sushi, c'est même pas un Uber Eats. Essayez vraiment d'adopter une vision, de se dire, ça peut me rapporter quelque chose. Quand tu vas manger un plat, un tacos, ça te rapporte rien, ça te fait juste grossir, ça t'a mal au bide et tout. Là, tu payes 20 balles par mois, tu peux faire 20 vidéos, 1 dollar la vidéo. Mais attends, tu vas voir le style de vidéo, tu vas comprendre. Donc voilà, après, encore une fois, je t'invite à tout regarder. Et là, on a un forfait créateur à 300 vidéos par mois. Ça, c'est le forfait agence. 300 vidéos par mois, ça te fait 50 centimes le short. Imagine-toi comment tu peux marger si tu revends ça en agence à un client qui a un besoin fondamental de créer des shorts. Donc bref, assez parlé. Tu crées ton compte avec Google. Tu crées ton compte directement sur SnapVid, snapvid.ai. Extrêmement simple. Le premier lien dans la description, je te mets le premier lien, ce sera le plus simple, tu cliques dessus, comme ça tu auras un avantage, c'est un lien affilié mais tu auras un avantage tu as un pourcentage, alors je te redirai ça juste après, mais tu as un avantage et en plus de ça, bah, tout le monde y gagne, c'est top. Donc là on va aller sur le tableau de bord, c'est parti. Donc là on a mon petit compte. Comment ça se passe? Projet, donc là ici on a un système de projet, donc je vais vider, là je pars comme si j'étais un débutant pour te montrer. On a un système où on peut créer des projets. Donc projet 1, donc tu fais des montages, tu peux en faire un ou plusieurs bien entendu. Donc projet, mes vidéos, paramètres, on peut définir les paramètres, mais là on va créer un projet. C'est parti, je suis débutant, je connais rien, je fais un nouveau projet. Ok, j'arrive ici, qu'est-ce qui se passe? Déjà pour commencer à savoir, pour ne pas être biaisé, on sait qu'on a le format portrait, donc 9/16 qui est short, Instagram, Reels, qui est short, TikTok, qui est YouTube Short, n'importe quelle autre plateforme qui va sortir qui fonctionne dans un format mobile, c'est possible. Ensuite on a Landscape, format 16/9, vidéo YouTube, c'est possible. Format Square, Instagram, carré, possible. Format Small Portrait, donc là c'est un format plutôt c'est un format alors ça c'est plus pour les Reels et pour les Facebook. On a aussi format Small Landscape, Pinterest, on a aussi, on a tout. Donc là on va rester sur short, hein, bien entendu, ça va être vraiment le 80-20 de cet outil là. Donc ça peut faire peur au début quand tu arrives ici, mais il faut que tu comprennes une chose, c'est que tu as 100% la possibilité de pouvoir faire vraiment des choses très qualitatives. Et je vais te montrer ça directement. Déjà pour commencer, tu vas voir quelque chose de très intéressant que tu n'as pas sur les autres plateformes, la plupart, 99%. Je vais aller sur la chaîne YouTube Sans Permission, qui est une chaîne super intéressante de podcast qui ouvre pas mal d'idées, qui donne des idées, et tout le monde doit connaître, hein, dans le business, vous connaissez. Je vais prendre le lien de cette vidéo-là qui dure 1h49, donc on va l'arrondir à 2h, hein, vous m'excuserez, 2 heures de vidéo. Ici, comme tu peux le voir, on a un petit lien YouTube, donc je clique dessus, je colle le lien de la vidéo YouTube, je fais entrer, et là, j'ai plus qu'à patienter et tu vas voir ce qui va se passer. Ok, donc la vidéo a bien été importée, ça a pris même pas 20 secondes pour te dire c'est une vidéo de 2 heures, hein, ça il faut vraiment le mentionner. Donc elle a été automatiquement bien mappée en hauteur, donc c'est parfait, je peux venir la déplacer ici. C'est comme un outil de montage, c'est extrêmement puissant. Donc là par exemple, on va prendre une séquence, donc on peut bien entendu faire des cuts ici, couper. Donc je peux couper cette séquence là, c'est comme un outil de montage, c'est vraiment l'avantage de cet outil, c'est que c'est extrêmement personnalisable. Donc par exemple, on va rester ancré sur trois petites parties, par exemple, là, je vais couper ici aussi, je vais venir recouper cette partie là où il est en train de parler. Donc là je vais supprimer tout le reste, hein, admettons, voilà, donc là je vais peut-être m'enlever ma tête, je vais me mettre sur la partie gauche. Donc maintenant j'ai trois petites séquences ici, donc je vais pouvoir les déplacer à mon aisance, voilà, très bien. Maintenant je vais venir prendre cette séquence là, je vais tout simplement, alors peut-être que c'était pas une bonne idée parce que comme par hasard ils ont affiché le truc, donc je vais essayer de prendre un moment comme ça, voilà, comme ça, nickel. Donc cette séquence là, je vais venir la redimensionner, donc là très bien, boum. Là, tu le vois quand tu cliques sur une séquence, en haut, qu'est-ce qu'on a? On a ajouté sous-titres. Donc, on a une animation, c'est clair et net, c'est très simple. Si je clique, qu'est-ce qui va se passer? Là, dans la vidéo, je te montre, il n'y a pas de sous-titres. Alors, on va peut-être couper un peu là aussi, voilà. Regarde. Les adresses email aussi de toutes les personnes qui avaient participé à... Il n'y a pas de sous-titres dans la vidéo, donc là, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que j'aimerais pas faire des sous-titres sur cette partie-là? Bah tiens, c'est bizarre, il y a la fonctionnalité sous-titres. Je vais cliquer dessus et ça va générer, donc tu vas voir, c'est assez rapide. Voilà, les sous-titres ont bien été générés, donc maintenant on va analyser. Regarde, alors maintenant, il faudrait que je le recentre parce que du coup tu vas les voir au centre. Alors tac, on va cliquer sur Smart Emoji aussi qui va nous permettre de pouvoir générer des emojis. Alors hop. Adresse email aussi de toutes les personnes qui avaient participé à des conférences. Et genre juste avec SQL Map ou... Pas SQL Map en l'occurrence, SQL ouais. Dumper, c'est le soft que j'utilisais, mais... Voilà, donc là maintenant on a terminé, donc j'ai généré sur les trois. Tu vas voir, je vais te montrer les séquences une par une, donc tac, celle-ci. Alors regarde bien, maintenant... les sous-titres de manière animée sans les émojis, je te montre. De manière une personne que tu as. Je remets le son. Avec une entreprise. Ça dépend, une entreprise au final c'est quoi? C'est un mec un accès aussi, tu vois. Ouais. Est-ce que tu veux avoir... Donc là tu vois les sous-titres sont bien ici, je peux venir les déplacer. Si la vidéo par exemple la tête elle est là, ben, j'ai envie de mettre les sous-titres là. Après voilà, il y a des techniques de marketing, chaque agence a sa propre technique, appliquée à tous si tu veux l'appliquer à tous, extrêmement puissant. Maintenant, regarde, je clique sur Smart Emoji. Donc là, tu as la transcription. Donc je vais retourner sur la partie où il dit veut avoir. Donc veut avoir, je vais venir le chercher ici. Donc veut avoir, ce que je peux faire, c'est que même je peux faire un CTRL F, veut avoir qui est ici. S'il y a eu éventuellement une faute, ça peut arriver très rarement. Veut contenir, par exemple. Je modifie avoir par contenir, Voilà, je fais entrer et regarde. Tu hack une entreprise. Ça dépend, une entreprise au final c'est quoi? C'est un mec qui a un accès aussi, tu vois. Est-ce que tu veux avoir accès? Est-ce que tu veux contenir un accès? Tu vois, est-ce que tu veux contenir un accès a bien été modifié. Maintenant regarde, je vais faire Smart Emoji pour te montrer. Donc je clique, hein, c'est extrêmement natif. Je vais faire exprès de parler en même temps pour te montrer à quel point c'est extrêmement rapide. L'IA va ajouter des emojis animés. Donc regarde, je te montre, c'est déjà fini. Hop, je relance le short, regarde. Hack une entreprise. Ça dépend, une entreprise au final c'est quoi? C'est un mec qui a un accès aussi, tu vois. Est-ce que tu veux avoir accès à la personne dans l'entreprise? Voilà, donc là si j'ai envie par exemple sur la première phrase c'est déjà de rajouter un emoji, je peux cliquer ici et venir rajouter mon emoji. Par exemple, celui-ci, le petit dollar, et on regarde, il va se mettre automatiquement. Déjà de la même manière, une... Voilà, le petit emoji rapide, c'est vraiment dynamique, ça les gens ils aiment bien, ils sont très friands. Donc là maintenant, regarde bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller modifier ces sous-titres là parce que c'est un thème basique et j'ai envie d'avoir mon propre style. Donc là, je vais me retrouver sur style en haut ici. Je vais pouvoir cliquer sur style et regarde, déjà il y a beaucoup de thèmes prédéfinis, donc je vais peut-être me mettre sur la partie droite comme ça. Et alors je vais déplacer toutes mes séquences plutôt vers la gauche, comme ça au moins je ne serai pas embêté. On va se mettre comme ça, très bien. Donc là maintenant je vais cliquer ici et je vais pouvoir choisir des thèmes par défaut, c'est extrêmement rapide, regarde, je vais cliquer en une fois et boum, c'est très satisfaisant. L'intégralité du système, ça dépend, franchement ça dépend. Si j'ai ma cliente qui veut ça en rose, je fais ça. Si j'ai un client qui veut un gros truc bien épais de manière PewDiePie par exemple, voilà, on a un thème inspiré, regarde. Là, imagine là tu dois rehacker Sciences Po, si tu réfléchis à quoi? Genre... Extrêmement rapide, extrêmement puissant, je sais pas comment vous dire. Maintenant, regarde, si j'ai envie de modifier, je peux faire éditer toujours ici, donc les smart emojis, rajouter des emojis. Dans les styles, je peux modifier les paramètres ici dans les settings. Donc par exemple, je vais choisir ce thème-là, que je vais venir, donc non, par exemple, je vais prendre celui-ci, que je vais venir ici customiser et l'enregistrer qui va rester enregistré dans la plateforme. C'est-à-dire que je vais pouvoir le réutiliser après derrière. Peut-être que j'ai envie que ça soit... Regarde bien, on va tout switcher. Je passe en format landscape. Je redimensionne la vidéo de manière nickel. Hop, hop, hop. On va démystifier l'outil aujourd'hui. J'ai dit que j'allais démystifier. Donc, je place ma vidéo parfaitement. Les sous-titres, ils sont toujours présents. Je change. Je les veux sur une ligne à la place de deux lignes. Regarde bien. Hop. Tu hack une entreprise. Ça dépend, une entreprise au final. Très bien. Maintenant, je veux un mot par un mot. C'est quoi? C'est un mec à un accès aussi, tu vois. Très friand, les gens, ils adorent ça. Un mot par un mot, c'est extrêmement puissant. Est-ce que tu veux avoir accès à la... Donc là, je vais en mettre sur deux lignes de manière native. Vertical position, est-ce que je veux le mettre plus en bas parce que c'est une vidéo allongée? Taille de la police, est-ce que je veux peut-être baisser la taille de la police parce que j'ai envie de créer un style personnalisé qui va être adapté? Donc là, une fois que tu as configuré une seule fois, tu fais ça aux petits oignons proprement. Après, tu vas le réutiliser sur toutes tes vidéos ou toutes les vidéos de ton client A, B, C, D, chacun son template. L'unicité fait la force. Je peux mettre en italique, je peux souligner, je peux enlever la lueur si ça ne me plaît pas, je peux rajouter plus de lueur parce que je suis un bourrin, je peux changer la police d'écriture. Ici, on peut même rajouter sa propre police, enfin, je sais pas si tu te rends compte. On peut rajouter l'épaisseur, donc là on a light, on a normal et heavy, l'épaisseur de la police, donc là très bien. Changer la couleur native, donc là blanc, on va pas le changer. Changer les ombres, etc. Tu crées ton petit template proprement, là on a envie de le mettre comme ça, de manière italique par exemple. On peut changer donc les animations de sous-titres, le style, on peut mettre les styles différents GIF, donc on a des Telegram, Google, regarde bien, hop, je te montre. Tac. À la personne dans l'entreprise ou est-ce que tu vas avoir l'intégralité du système? Ça dépend. Alors là, il ne l'a pas affiché. Les emojis, alors on va essayer de le faire de manière Google. Je ne sais pas s'il va fonctionner celui-ci. Imagine là, tu dois rehacker Sciences Po. Alors non, bon, c'est pas grave. De toute façon, personnellement, moi je préfère ceux Apple. Alors, on va peut-être tester ceux de Twitter. Voyons voir si ça va fonctionner. Hop. Si tu réfléchis à quoi? Peut-être qu'il faut que je refasse mes subtitles. Alors non, c'est bizarre, je sais pas. Donc je vais revenir sur la partie Apple. Quoique Google, peut-être qu'il faut que je régénère les sous-titres du fait d'avoir généré ça. Ok, bref. En tout cas, ça c'est opérationnel. La taille des emojis, on peut la modifier. On peut venir faire les effets d'apparition à une vitesse spécifique. Faire du tremblement si on veut. Regarde, je te montre ici. Oh, c'est quoi les trucs que tu vas aller regarder? C'est quoi la même injection? Hop, et là si je veux rajouter une vitesse de malade, regarde. Exactement, exactement. Et d'ailleurs, ça fait un tremblement, ça peut être sympa. Et je sais qu'il y a certains shorts sur TikTok, ça fonctionne bien. Rotation aléatoire, voilà. Là, admettons, tu as terminé, donc on va peut-être un petit peu customiser un petit peu plus la chose. Effet d'apparition, on va venir faire un shrink, par exemple. Regarde. nul de Blick qui regardait ça. Allez pas emmerder. Tu vois, ça fait exactement ça fait une apparition sympa. Donc ça, c'est opérationnel. Ici, on peut changer la couleur. Ça, j'aurais dû te le montrer, c'est vrai. Donc couleur, taille. Alors, je vais m'arrêter sur une partie où on voit vraiment un sous-titre. Voilà, là, c'est un petit. Tu vois, j'ai mis un petit contour. Contour. J'ai dit couleur, mais c'est contour. Aucun, on peut mettre juste une ombre, soit rien du tout. Si je veux, je mets rien comme ça. Très bien, c'est extrêmement qualitatif. Donc là, on est opérationnel. Admettons, j'ai terminé mon thème ici et je vais mettre à la place du blanc, je vais le remplacer peut-être par du rose comme ça, tu vois, un petit rose comme ça. Ça peut être une idée. Et je vais choisir, par exemple, celui-ci. Tu vois, regarde. Hop. C'est des génies, ils le savent, c'est des kits. Bon, ne faites pas ce que j'ai fait, c'est dégueulasse. Je vais revenir au blanc parce que j'abuse là, j'avoue. Remettre une ombre, mais bref, t'as compris qu'on peut tout custom sans problématique. Et là, je me dis, bah tiens, je vais enregistrer. Donc là, ajouter style. J'enregistre le style. Donc je fais ici, boum. Donc je vais l'appeler bonjour. Je fais save, voilà, thème saved, j'ai mon thème. Donc là, je peux créer un autre thème si je veux, par exemple celui-ci, je vais venir le custom, je vais venir CD Kings, nanana. Donc je vais venir rajouter une rotation aléatoire, un tremblement, une vitesse de malade mentale, mot par mot, on va vraiment faire n'importe quoi pour te montrer. Une couleur vraiment, vraiment violette, ça va être terrible, regarde-moi ça. Je vais faire mon petit ajouter style, je vais l'appeler master, master, master. Enregistré, bam, thème save. Maintenant j'arrive, regarde-moi ça. Je prends mon thème de fou furax et j'envoie. Ça dépend, franchement ça dépend. Genre, imagine là tu dois rehacker Sciences Po. Moi j'avoue que là j'ai fait n'importe quoi, mais c'est pour te montrer que hop, si je veux switcher de thème, boum, je reviens là, hop. Tu réfléchis à quoi? Genre c'est quoi les trucs? Tu vas les regarder, c'est quoi la même injection? C'est direct, il n'y a pas de problématique. Maintenant on va partir sur encore autre chose parce que ce n'est pas fini. Je te montre d'autres fonctionnalités. On a un système de vidéo stock. Si par exemple, là il parle de business, je tape business, je vais venir rajouter rapidement. Donc là je fais business, je fais entrée. On a un gars qui travaille, alors business, là on va prendre une petite vidéo, par exemple celle-ci. Je vais venir cliquer dessus, je vais l'importer directement, donc en un clic rapidement. Et tu vois, regarde, ça va créer une animation. Donc c'est pas fini. C'est quoi les trucs, tu vas les regarder, c'est quoi la même injection? Ça te donne plein de vidéos business, tu peux taper ce que tu veux, switcher, enfin descendre. Là tu as même des formats même qui sont déjà adaptés pour les shorts. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est quoi? C'est que suivant ces vidéos stock, je peux aussi rajouter des transitions. Donc je peux mettre des films burn. Donc là on va rentrer un peu plus en détail, je vais zoomer pour te montrer cette partie là. Donc celle là je vais la supprimer, on va rester focus sur une seule partie. Comme ça tu vas mieux comprendre. Donc revenons-en au fait. Ici, tu vois, on a une transition brutale entre la parole et l'animation. Moi, bah tiens, je vais dire, tiens, on va rajouter un petit film burn par exemple en entrée et en sortie, bah tiens, j'ai envie de mettre un coloré drôle. Regarde, juste. Comportement, respect, toujours dans la bienveillance, les gars. Parce que je les vois bien là. Non, mais il y a des mecs qui ont rehacké Sciences Po derrière et qui ont réécrit hacké par Ramon des Bois pour me casser les billets. Ah ouais, ouais. Tu vois la sortie, donc si je veux, je peux bien entendu modifier la longueur de cette vidéo là, faire des retours, on peut modifier, on peut enregistrer notre projet si on a envie d'aller manger et revenir après dessus, donc ça, il n'y a pas de souci. Ensuite, on a médias, donc là, on peut directement ajouter, donc éditer les vidéos, l'opacité, modifier l'audio, extraire et Smart Cut. Donc maintenant, on va partir sur la fonctionnalité. Une des plus intéressantes pour moi, c'est le Smart Cut et j'ai laissé le meilleur pour la fin. Ok, donc première étape, je prends un lien d'un podcast. Là, on est sur le podcast de Legend. Je vais venir mettre lien YouTube ici. Je mets CTRL V, le lien, j'envoie la vidéo. On attend que ça s'upload. Ok, la vidéo est bien importée maintenant. Je n'ai pas envie de me prendre la tête et j'ai envie de gagner du temps parce que la productivité, on veut l'optimiser. J'ai deux possibilités ici, donc on va les voir une par une. D'abord, je peux faire un Smart Cut. Je clique ici. Là, on a une fonctionnalité bêta qui fonctionne très bien déjà. On a deux possibilités. Donc là, j'ai une vidéo de 40 minutes. Je lui dis, alors, est-ce que je veux extraire? Donc là, je t'explique, tu vois les sushis, comment on les coupe au Japon. On découpe des sushis, on découpe rapidement, bien efficacement, avec une précision sans mesure. Ben, ça va être exactement ça. Donc soit je choisis High Quality Extraction qui va me permettre de couper des parties donc intéressantes. L'IA va analyser directement ce qui est dit dans la vidéo et va se dire, bon tiens, cette partie-là, elle est intéressante, je vais la couper. Donc tu peux choisir si tu veux que ton short, enfin tes cuts, tes découpes se fassent entre 0 secondes et 1 minute, entre 30 secondes. Donc là, on va le laisser initialement comme il était, par exemple. Soit tu fais All Out Extraction, c'est le deuxième. Donc là, High Quality, tu en auras moins des cuts, mais de meilleure qualité. Par contre, All Out, tu en auras plus. On va rester sur le High Quality. Je lance le Smart Cut. C'est parti, l'IA analyse la vidéo, va dire ok, donc là maintenant je considère que cette partie là elle est intéressante. En fait je parle, mais tu vas voir, on attend quelques secondes et tu vas voir le résultat. Ok, donc là comme tu peux le voir, les sushis ont bien été découpés. T'imagines, j'avais une vidéo de 40 minutes et là on se retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 shorts rapidement coupés, donc là je vais en prendre un aléatoirement, regarde. Hop. Juste, est-ce que les femmes préfèrent aller voir des gynécologues hommes ou femmes? Je me rends pas compte des pourcentages. Au départ, les jeunes, la première fois qu'elles vont voir un gynécologue. Tu vois, il va directement cutter. Après, tu peux réajuster si tu veux, tu peux allonger. Hop, tu dis ok, ça c'est bon. Tu fais ta petite découpe. Donc là, par exemple, regarde. Comme ça, t'annonces ça à la maman, mari à côté, il explose. Et là, je me souviens très très bien de ce mari dans une rage folle, mais bordé de l'estelle. Tu vois, il va directement cutter, donc c'est encore en fonctionnalité bêta. C'est vrai que ça fait gagner du temps fou, mais c'est extrêmement puissant. Donc ça te permet de cutter rapidement si t'as envie de faire de la masse et d'envoyer du lourd, c'est possible. Maintenant, une fois que c'est fait, tu peux donc là sélectionner donc chacune des séquences. Donc là, je vais faire une petite sélection. Donc je vais toutes les sélectionner, tac 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 tac, une par une tranquillement. Ou je peux tout simplement les prendre comme ça. Hein. Et là, regarde, on a une fonctionnalité qui s'appelle Smart Footage B-Rolls. Donc là, je vais cliquer dessus. J'ai plus qu'à patienter quelques secondes et tu vas voir ce qui va se passer. Et voilà, là, tu vois, regarde, c'est vraiment la technique de, allez, on envoie, tac, tac, tac. Et l'IA, en fait, va analyser qu'est-ce qui est dit dans la vidéo. Et suivant qu'est-ce qui est dit, elle va rajouter des vidéos. Donc là, je te montre, tu as vu la rapidité à laquelle ça a été effectué, ça a pris 10 secondes. Donc là, je te montre cette partie-là, par exemple. Alors, hop, je remets le son. Tac. Alors là, c'est vrai que c'est un petit peu lourd, comme il y a eu beaucoup de... Il y a eu beaucoup de modifications. Alors, on va voir si ça fonctionne le son là. La vie d'une femme. En théorie, souvent le dépistage, c'est les petits, les mammographies, ça s'arrête vers 65 ans. Je te montre une autre partie, hop. On peut rien y faire comme ça. On t'annonce ça à la maman, le mari à côté, il explose. Et là, je me souviens très très bien. Tu vois, le mari à côté, il explose. On a vraiment quelque chose qui a bien été récupéré par l'IA, c'est parfait, regarde. Tu vois, ça fait vraiment une animation propre, donc c'est super intéressant. Donc maintenant, si j'ai envie, maintenant je peux sélectionner cette séquence parce que je la trouve bien, je peux modifier les b-rolls, je peux tout changer, modifier. Si je veux changer la vidéo, je peux cliquer sur le petit plus ici. Et le mari qui est dépressif, le mari qui n'en peut plus, bah, je peux très bien remplacer par cette vidéo-là en cliquant une seule fois et ça va le remplacer, tu vois, regarde. Le mari à côté, et là, je me souviens. Parfait, je peux modifier ça rapidement. C'est vraiment pour faire de l'ultra qualité avec une possibilité de personnalisation avancée. Ok, donc là c'est opérationnel. Maintenant je me dis, bah tiens, ah j'ai pas les sous-titres, j'ai envie de mettre les sous-titres. Je vais sur la partie sous-titres, je choisis bah, par exemple ceux-là. Donc je vais en prendre plusieurs pour te montrer. Je vais tous sélectionner, boum, et hop, on fait, regarde, 39 séquences selected et on envoie du sous-titre. Allez, c'est parti, je clique et j'ai plus qu'à patienter quelques secondes et tout va être généré d'un coup. Ok, comme tu peux le voir, instantanément tous les sous-titres ont été générés partout. C'est quand même assez incroyable, hein. Tu as les sous-titres qui vont être appliqués sur chacune des vidéos. Enfin, je sais pas si tu te rends compte du temps que tu peux gagner. Alors imagine-toi vendre ça en prestation à tes clients, c'est extrêmement puissant. Naïvement, mais pas mieux. Votre mari aujourd'hui, d'habitude, il vient, il dit, non, la maman, la fille. Alors, je te le dis, des fois, il se peut que ça, c'est un petit bug, donc là, on peut remonter aussi, bien sûr. Ça arrive que des fois, les sous-titres ne s'affichent pas parce que, comme on a une grosse vidéo qui a été coupée, elle est très lourde. Donc, ce que tu peux faire, c'est enregistrer le projet et faire un refresh, tu vas voir. Là, l'avantage, c'est que hop, ton PC s'éteint, coupure de courant, peu importe. J'ai enregistré, donc là, il y a une autosave. Il y a une autosave qui s'effectue, c'est-à-dire que tu ne perds rien de ton projet. Tu vois, j'ai refresh et j'ai toujours ma data. Je lance la première, regarde. Une chaîne qui s'appelle Mon Gynéco et qui cartonne sur les réseaux sociaux. On s'est dit qu'on allait l'inviter, il va nous raconter plein d'anecdotes sur son métier de gynéco. Tu vois. Et juste avant, sachez qu'on a grandi l'équipe et qu'on est... Donc c'est top, c'est parfait, on peut faire les Smart Emojis. Par exemple sur celui-ci, je clique sur Smart Emoji, hop, on va régénérer ça. Ok. Là, on a une fonctionnalité où tu peux faire un clic droit, supprimer sous-titres. Si jamais tu as eu une problématique sur un sous-titre, ça peut arriver quelques temps. Il se peut que ça arrive, bon c'est très rare, hein. Mais là du coup je vais régénérer les sous-titres pour cette séquence là, regarde, je clique dessus, je les ai supprimés, clic droit, c'est super simple, et voilà, c'est revenu. Donc là du coup ils sont là les sous-titres, regarde, je te montre, tac, les emojis sont en train de charger en même temps parce que j'ai lancé les deux, hop, regarde. C'est les études de médecine, okay. Un tronc commun, passe 6 ans à la fac, sur les bancs de la fac. Et là je me dis bon, j'ai envie de changer, je change d'avis entre temps, hop, on peut faire un clic droit ici, fit to screen, ce qui veut dire que ça va automatiquement, enfin, imaginez le temps que ça fait gagner, enfin. Là, on est vraiment dans l'IA et l'automatisation et les techniques de gros hacking. On est en plein dedans. Voilà. Et là, tu vois tes sous-titres, regarde, ils sont mappés. Okay. Un tronc commun, passe 6 ans à la fac, sur les bancs de la fac. Et là, tu te dis, ah ouais, mais mes sous-titres, en fait, je veux pas qu'ils soient là, je veux qu'ils soient plus haut. Bah, t'as juste à faire ça, mon gars. T'as juste à faire ça et tu peux l'appliquer à tous. Donc, c'est extrêmement puissant. Donc voilà pour cette partie-là. Donc bien entendu, là, je t'ai montré la fonctionnalité YouTube qui va pouvoir te permettre de récupérer une vidéo YouTube rapidement si tu veux faire des shorts, parce que c'est très, ça gagne. Oui, tu peux gagner beaucoup d'argent avec les shorts YouTube. Après, c'est une question de droit, mais tu peux aussi faire avec tes vidéos. Bien entendu, tu as la possibilité ici sur ce bouton-là de faire ajouter médias et via ce petit bouton-là, tu peux ajouter tes propres shorts. Tu peux faire ton tournage. alors salut machin, hier j'ai trouvé une technique où tu fais tes shorts et après tu arrives ici et tu fais ta technique de sushi. Donc là, admettons qu'on a terminé notre projet complet, on a tous nos shorts, on a bien programmé, on a fait ça, un projet pour un client, on a nos 14 shorts qui sont là avec les sous-titres, tout est opérationnel, je suis content. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire une exportation. Donc là, à partir de ce moment-là, je te montre que tu as juste à cliquer sur exporter en haut. Là, l'IA va automatiquement détecter, donc là, il faut que tu fasses attention, car en fait, il faut que tu laisses un espace, ça je t'explique, c'est une technique, donc il y aura certainement une update. Il faut laisser un espace, tu vois, là, en fait, il a comptabilisé ça comme un seul short, oui, c'est normal. Ça, il en a comptabilisé comme un seul, mais c'en est trois, tout simplement parce qu'il faut que tu laisses, en fait, l'espace à l'IA. Je te montre tout simplement, par exemple, tu vas laisser, là, tu vois, il en a comptabilisé deux, je vais le décaler, tu vois, et là, ça compte comme deux, pas comme un, là, comme un. Il faut que tu laisses un espace de 5 secondes, entre chaque short. Donc là j'ai juste à faire mes déplacements tout simplement, donc là j'ai fait une petite erreur, pas grave, je peux venir les déplacer, tac, mais bref tu as compris, là il te suffit juste de pouvoir les sélectionner, hop, alors tac, tac, après tu peux zoomer, hein. Ici tu as la petite molette, franchement c'est pas compliqué, il n'y a pas besoin d'avoir bac plus 19 pour faire ça, donc je te montre rapidement, bref tu as compris, je reclique dessus, je refais un dézoom pour te montrer qu'il y a tout, bon ils sont pas tous découpés, mais là il te dit qu'il y en a 9, donc là l'IA t'en détecte 9, alors là tu peux modifier si tu as envie de renommer le premier short, donc là tu te dis vas-y c'est quoi celui-là déjà, je m'en rappelle plus, hop tu fais ça, réseaux sociaux, on s'est dit que... tu te rends compte qu'il y a une erreur, tu vas vite faire un feed to screen, voilà rapidement, en direct, bam. On allait l'inviter, il va nous raconter plein d'anecdotes sur son métier de gynéco. Voilà, donc là tu peux très bien dire ok ça je vais l'appeler anecdote métier, anecdote gynéco, ça c'est mon short comme ça, après tu peux tous les renommer, tu vois séquence 1, 2, 3, 4, extrêmement simple. Et si tu as envie de... T'as 10 000 projets et tu as envie de dire ok ah c'est où la 7ème, j'ai pas envie de compter, tu cliques là, boum. Toute la vie d'une femme. En théorie, souvent le dépistage, c'est les frottis, les mammographies, ça s'arrête vers 65 ans et 74 ans pour les mammographies. Ah oui d'accord. Mais aujourd'hui, moi je te montre carrément en direct comment on résout des problèmes avec cet outil qui est extrêmement puissant. Maintenant, bon ça c'est des projets que j'avais déjà exportés à l'époque, je vais les supprimer, comme ça toi tu es vraiment neuf quand tu arrives. Tu as cette possibilité, est-ce que tu veux tout sélectionner, donc de base il te sélectionne tout, tu peux décocher si tu as envie d'exporter que le projet 1, 2, 3, 4 jusqu'à 9, tu as des crédits, donc là tu as le nombre de crédits, avec les abonnements, il y a les pricing etc, tu as tout, là par exemple il te dit si tu fais tout, ça va te coûter 9 crédits. Pourquoi? Parce que 1 short, 2 shorts, 3 shorts, 4 shorts, 5, 6, 7, 8, 9. Si j'en décoche, boum, 8. Tu vois, c'est vraiment super simple. Tu sais combien il te reste de crédits. Tu fais ton petit calendrier du mois. Mais là, regarde, j'ai pas envie de me prendre la tête. J'ai 9 projets, ils sont parfaits, je les ai pris aux petits oignons. Je fais exporter les 9 vidéos. Donc, pam. Et regarde-moi ça, la satisfaction. J'allais me faire un petit café. Je pars, hop, je vais boire un petit coup. Je vais faire un petit tour dehors rapidement. Je reviens. Petite pause. Si vous voulez vous former gratuitement à l'IA, à l'automatisation et aux techniques de growth, je vous invite à aller sur mon site furibiz.com. Vous y retrouverez des formations gratuites et des formations payantes qui vont vous permettre de devenir l'élite de demain. Allez, on peut y retourner. Tous mes projets sont exportés, prêts à être téléchargés, clés en main, petits oignons, il n'y a pas mieux. Donc c'est vraiment pour ça qu'en fait, j'ai envie de te dire... Quand moi j'ai testé Submagic, pour le coup, il y avait cette petite part de personnalisation qui n'était pas là. Ça peut faire peur au début, mais la vérité c'est que quand tu fais vraiment ton ultra petite personnalisation et que tu sais que ton short est unique, tu te considères plus comme un créateur et grâce à SnapVid, tu es un créateur. Donc là, regarde, vidéo export story, j'ai un accent vraiment démonté et là... il est en train de me charger, tu vois. En fait, c'est extrêmement satisfaisant parce que tu vas tous les voir un par un. Ok, lui, c'est terminé. Là, il t'a bien comptabilisé tes crédits, etc. Enfin, c'est un outil quand même qui est extrêmement puissant. En plus, il y a une app qui est en cours. Regarde-moi ça, c'est en train de monter. Donc là, on peut l'utiliser sur Premiere Pro. Imagine-toi le délire. Derrière, on va avoir une application qui va nous permettre de pouvoir être plus performant et rapide parce que ce sera sur une interface en local et pas du coup sur le site de SnapVid. Mais n'importe quel débutant peut l'utiliser. C'est super simple. Tu cliques sur des boutons, tout se fait. Regarde-moi ça. Là, c'est assez rapide et il est en train de charger. On va attendre que ça termine et je vais te montrer. Et surtout, très intéressant, c'est qu'il te dit combien de temps approximativement il reste. Tu vois, là, je sais qu'il reste à peu près 30 secondes. Je sais que pour celui-ci, le projet 9, il reste à peu près 2 minutes. Donc, ça te donne à peu près une visibilité. Bon, après, c'est pas forcément, tu vois, c'est pareil dans les logiciels de montage. Des fois, il y a marqué 30 secondes, mais ça va durer 15. Bon, bref, ça, il faut pas trop s'en... faut pas trop s'en préoccuper, mais au moins tu vois ça te permet d'avoir une visibilité plutôt que rien du tout. Et voilà, boum, là on a pratiquement terminé, tu vois, c'est extrêmement satisfaisant. Quand tu fais plusieurs en même temps, c'est normal que ça peut prendre des fois du temps. Et là il en reste plus qu'un et après on sera opérationnel. C'est très, en fait c'est très satisfaisant, et ça ce qui est bien, parce que moi je connais d'ailleurs le CTO qui s'appelle Adam, et ce CTO là en fait il aime bien aller dans les détails. Quand on voit ce genre de choses, il aime bien aller dans ces petits détails, hein, avec le temps, avec l'animation, c'est très satisfaisant. En fait c'est ce qu'on appelle un petit peu comme dans le Ikigai, en fait c'est un plaisir de travailler parce que c'est amusant, en fait c'est super amusant. Voilà, donc là il a terminé sans rapidement. Ok, la vérité c'est que ça m'a pris 1 minute pour tous ces shorts. Ça me donne exactement les délais de chaque vidéo. Et là, tu vois, ici en bas, New Project 1, 2, 3, 4, 5, 9, jusqu'à 9. Je clique ici et je les télécharge un par un. Donc là, je les télécharge sur mon PC, hein, j'ai plus qu'à aller les faire glisser sur TikTok, sur Instagram, dans une automatisation Make qui va pouvoir publier automatiquement. Ça, après, c'est pour ça que du coup, ça corrèle exactement bien avec ce que je propose sur cette chaîne. C'est que l'outil corrèle parfaitement. On est exactement sur la même longueur d'onde. Je les télécharge tous rapide. Regarde-moi cette rapidité. Boum, 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 boum. Je vais aller en ouvrir une au pif, celle-là par exemple. Hop, et regarde. Et moi, je lui dis, j'avais pas fait le feed to screen, t'as compris, mais regarde. Naïvement, mais c'est pas le meilleur des exemples. Je vais essayer de prendre le New Project 1 que j'ai travaillé dessus. Voilà, hop, regarde-moi ça. En fait, il a une chaîne qui s'appelle Mon Gynéco. Ah, j'ai pas fait le fit. Alors, j'ai vraiment fait du n'importe quoi. En fait, comme je démystifie l'outil, on va prendre un. Alors, c'est lequel que j'ai fait bien. Alors là, l'avantage, c'est que tu peux retrouver. Alors, c'est lequel déjà? Hop, tu peux cliquer ici. Même de l'intérieur, pour comprendre un peu le sexe féminin, c'est intéressant. Juste gynécologue depuis. Alors, tac. Bah, bref, t'as compris que après, bon, toi, tu vas faire les choses bien. Moi, j'ai fait n'importe quoi pour te montrer rapidement. Fais voir celui-ci. Ouais, je l'ai pas fit to screen, mais voilà, au moins ça t'exporte tout parfaitement. T'as plus qu'à aller sur tes TikTok, envoyer ça, et tu peux en plus de ça réexporter. Tu dis ah mince, je me suis trompé sur la première partie. Regarde, je le fais en direct pour te montrer concrètement comment réagir. Ah, je me suis trompé ici, tadana. Ça, je vais le fit to screen. Je vais le déplacer parce que sinon on voit pas bien la fille. Ensuite, je vais regarder le deuxième B-roll. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, je vais le feed to screen. Hop, on réagit directement aux problématiques. Ça, c'est pas un souci. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un problème des sous-titres. Hop, je vais supprimer les sous-titres. Clic droit. Je vais venir régénérer mes sous-titres rapidement sur la première partie. C'est parti. Ok, sous-titres régénérés. Donc maintenant, ah, j'ai envie de mettre les emojis, boum, je clique sur emoji, mais on va gagner du temps, on va faire l'exportation sans les emojis. Les sous-titres, je vais les mettre un peu plus haut, par exemple ici, très bien. Maintenant, je vais refaire une exportation uniquement sur la partie 1, parce que peut-être que je fais une erreur, hein. L'erreur est humaine, donc on va corriger ça directement. Je fais exporter, tout est sélectionné, je coche uniquement le Project 1, voilà, je vais même l'appeler corriger, parce que je suis un fou, et maintenant je vais faire exporter. Coup d'export 1, donc là il faut bien faire attention, ne pas se tromper à tout réexporter alors que tout était fonctionnel. Je fais l'exportation d'un seul qui s'appelle corriger, on patiente quelques secondes et tout va se faire, le café va se faire. Petite parenthèse, hein, parce que c'est clair qu'il faut que tu comprennes ça, c'est que quand tu vas passer sur SnapVid, il faut que tu saches qu'avec le site c'est un peu plus lent qu'avec l'application. Ça c'est important, quand je dis l'application c'est le programme que tu vas télécharger sur ton PC, comme tu installerais Discord sur ton PC, Windows, Mac. Avec ça tu auras une meilleure performance, que ce soit dans les exportations, que ce soit dans tous les éléments, car tu auras ton PC en local. Pour te donner un petit détail un petit peu plus technique, c'est qu'en gros ça va consommer moins de ressources serveurs sur le site, mais plutôt ressources de ton PC, donc de ton propre PC, de ta machine, et ça c'est un avantage. Donc si tu as un monstre de guerre, tu vas pouvoir arriver avec 50 projets, tous les faire, exporter tout, et envoyer ça dans ton système en no-code, et faire tout péter sur les réseaux sociaux, donc c'est nickel. Donc là, on n'a plus qu'à patienter un petit peu pour qu'ils finissent. Ok, donc là, c'est terminé. Maintenant, je peux venir sur mon exportation. Tu vois, il y a 1, 2, 3, 4 jusqu'à 9. Et là, j'ai mon corrigé. Donc ça a été réeffectué une nouvelle pour te montrer concrètement. Voilà, je démystifie l'outil, je te l'avais dit. Donc je vais ouvrir le short et regarde. Hop, on va regarder ça directement. Et en fait, il a une chaîne qui s'appelle Mon Gynéco et qui cartonne sur les réseaux sociaux. On s'est dit qu'on allait l'inviter, il va nous raconter plein d'anecdotes sur son métier de gynéco. Et juste avant, sachez qu'on a grandi l'équipe et qu'on est de plus en plus nombreux. Donc on cherche des community managers. Tu vois, donc là, et en fait, il a une chaîne qui s'appelle Mon Gynéco. On a les B-rolls qui sont parfaitement centrés, on a le sous-titre, on a tout qui est bon. Donc là, je t'ai vraiment montré totalement tout SnapVid. Maintenant, voilà, il y aura des mises à jour. Je vais te tenir au courant des avancées de SnapVid. J'ai quitté, je retourne ici. Donc là, tu vois, je sais qu'il me reste 34 crédits ici. Donc c'est cool. Par contre, là, il y a ma tête qui est écrasée. Adam, corrige ça, s'il te plaît. Tu peux faire de add to workflow. Tu peux créer des espaces de travail, créer des projets, etc., etc. Et par contre, si tu as la moindre question, regarde, je te montre, c'est simple. Tu vas sur SnapVid AI, premier lien dans la description. Et là, regarde, ma tête, elle cache exprès. C'était fait exprès. Tu cliques là. Tu cliques ici et là tu contactes la famille SnapVid. Tu peux même faire un vocal. Regarde, on va faire autoriser. Hop, salut les gars, je viens de finir la vidéo, j'espère que ça va. Allez, on cartonne tout, on démonte tout. Voilà. Est-ce que tu as déjà... Enfin, ça c'est crisp, mais regarde. Salut les gars, je viens de... Donc là, voilà, on va envoyer un petit troll. Et puis, temps d'attente 23 minutes, donc ils sont bons. Et puis, c'est lourd. Sur ce, c'était mes idées. J'espère que vous avez aimé, liker, partager, kiffer. Premier lien dans la description, ça fait le café. Et SnapVid for real. À très vite, ciao.